abracadabra. Hello les amis, c'est Draco, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique magique. Aujourd'hui, je suis très bien entouré, comme vous pouvez le voir, avec Fanny et Lucie. Bonjour les filles, bonjour, ça va? Bonjour, ça va très bien. Voilà, j'ai l'impression d'être dans la série drôle de dames. Il en manque une, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec les cartes aujourd'hui, si vous voulez, des cartes à jouer. Elles sont ici toutes différentes. Et puis, dans quelques instants, nous allons utiliser ces accessoires de torture. Vous allez voir, surprise, surprise. On va sélectionner quelques cartes. Vous allez toucher quelques cartes. Juste toucher, on les sortira du jeu après. Ok. Laquelle, pardon? Celle-là? Ouais. Ouais, celle-là, une autre. Celle-là, ok. Celle-là, ok. Encore. Celle-là, ouais, on va jouer avec Lucie celle-là. Maintenant. Voilà, celle-là, ok. Celle-là. Celle-là, ok. Et un petit peu plus loin. Un peu plus loin. Celle-là. Celle-là. Alors, on a plusieurs cartes ici, vous auriez pu prendre n'importe quelle carte. Vous avez touché ces cartes, on est d'accord qu'on n'est pas complice, on n'a rien préparé, on n'a rien prévu à l'avance. Pardon, je vais récupérer vos cartes. Et dans quelques instants, je vais vous donner ces cartes, vous allez pouvoir vous munir de ces petits accessoires qui servent à faire des trous, puisque vous allez perforer les cartes. Alors, l'idée, c'est de faire le plus de trous possible sur les cartes, que ce soit vraiment aléatoire, peu importe, vous faites des trous dans les cartes comme ça. Vous êtes prêtes? Attention, oui. Une carte chacune, c'est parti. C'est un concours de va. Trous, voilà. Allez-y, voilà. C'est, voilà. Faites des trous un peu. Voilà, c'est très bien comme ça. C'est vrai qu'il faut de la voilà. force. Ah oui, il faut. Voilà. Et puis quand ça vous va, vous me redonnez les cartes et puis on continue avec d'autres cartes. Voilà. On peut même chanter hein, pendant ça, on peut faire des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous. Merci. Voilà, c'est marrant. C'est, vous débrouillez très bien hein, parce que c'est pas évident. Hein. La dernière fois que je l'ai fait, j'avais une assistante qui m'aidait en plein milieu du numéro, elle a eu un trou de mémoire. C'est drôle parce que. Pardon, une autre carte, voilà. Merci. Voilà, c'est joli, vous arrivez même à faire des petits dessins, oui. C'est quasiment du braille, même on peut peut-être lire, il y a un message codé, on ne sait jamais. Voilà, en tout cas, il y en a partout. On a des confettis pour la fin du numéro, on pourra faire une apothéose comme ça, lancer de confettis. Hein, c'est sympa avec Draco, on fait des loisirs créatifs, on s'amuse bien, voilà. Ah ben on est arrivé à la fin, super, voilà. Donc on a, voilà. Allez, Lucie. Ah voilà, c'est Lucie qui a perdu. Hein. Voilà, c'est pas grave. J'aurais fait une de plus. En fait. Voilà, bon, on gagne toujours à la fin. Enfin, toutes les cartes voilà, sont perforées, vraiment. Là, vous avez fait un très bon travail, excellent travail. Merci. Là, vraiment formidable. C'est du gruyère, il y en a partout. Alors, ce qu'on va faire maintenant, très simplement, je vais faire défiler les cartes comme ça. Et l'une de vous va me dire stop quand elle le souhaite. Stop. Stop ici. Alors, on va regarder la carte sur laquelle on s'est arrêté, le 3. Carreau. On a plusieurs cartes, ici 8 de pique, 5 de trèfle, 7 de trèfle, roi de trèfle, dame de carreau, 7 de pique, 7 de cœur, toutes trouées comme ça, vraiment au hasard, puisque forcément on n'aurait pas pu prévoir les endroits sur lesquels vous alliez faire les trous. Toujours est-il que vous avez choisi cette carte. C'est Fanny qui a dit stop, hein, on a des trous un peu partout, et ici depuis le début, c'est parce que vous voyez, il y a un petit truc. Mm-hmm. Un petit, voilà. Et à l'intérieur, il y a une prédiction. On va ouvrir très lentement la prédiction. Il y a une carte avec un dos rouge, parce qu'à chaque fois que je fais ce tour, je garde toujours la dernière carte qui a été choisie, le tour d'avant. Et si on regarde cette carte, ce qui est drôle, c'est que c'est un 3 de carreau aussi. C'est marrant. J'ai découpé exactement pareil. Ben, si on met les cartes l'une sur l'autre, c'est ça le petit plus, c'est que les trous sont faits exactement aux mêmes endroits. Exactement. 3 de carreau, voilà. C'est quand même extraordinaire. Hein. Le magique. Hasard fait bien les choses, quoi. C'est, voilà. Vous avez bien fait de venir incroyable. Aujourd'hui parce que là, incroyable. Franchement, c'est formidable. C'est la première fois que ce tour marche, hein, grâce à vous. Voilà, bravo les filles, merci beaucoup. Écoutez, on part en tournée à Las Vegas. Hein. Gardez vos accessoires, bon on en aura peut-être besoin pour poinçonner le billet d'avion. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures magiques. Salut.